having our presentation on EdTech about how to implement that's on mobile education in rural communities. Because both of us have successfully worked in rural, in urban communities, we're also going to be letting you know how we can implement these same methods in rural communities. And here with me is Obin from Baby Lab in Abidjan, where I'm from Lagos, Nigeria. So, we are improving educational outcomes for children in rural areas. New technologies or not? Are we implementing new things or are we staying with the existing technologies? So go with us. A roadmap to start together. Why are we doing this? We are bringing digital literacy to children in their first year in school, as well as the approach to penetrate rural communities using technology. What do we already have in the urban areas? For me, I worked on several projects that helped to introduce technologies into the educational system in Lagos State and other parts of Nigeria. But for me, what is very important to me is about how the girl child helps understand technology and how it affects our world. And for us, we've been able to create learning spaces, mobile learning, as well as for them to create games using mobile application development and teachers innovations, because you don't want to teach the students and leave out the teachers in your training. And of course, involving these families using Monopoly game boards or any board games that brings family together to cause collaborations and interactions. And for Urban, he has been able to develop the Baby Lab, which introduces computer coding and electronic crafts for children between the ages of 8 and 15. And here are the objectives of the Baby Lab: to fight against school failure, battery life, as well as ability to act. So for our new project, the one we work together on, what our focus is on creating content. Because believe me, you, as much as technology or digital literacy is important in our world, we'll be leaving out a key point, which is content. And if the content is not relevant, then there's no way your digital tools will be relevant to your world. So we need to focus more on the content, which has to be indigenous, solving local problems, which can be scaled up to global solutions or global platforms. So, and this content must have all of, must be able to promote functional skills, collaboration, creativity, critical thinking, e-safety, cultural and social understanding, as well as selective information, finding and selecting the right information to consume. And this is everything that makes up digital literacy. For us, the animators, the important people we are working with in this space are the students, the teachers. The students, of course, between the ages of 3 and 5, because we are taking them from when they are very young, to 6 and 9, 10 and 12, 15, 13 to 15, 16 to 17. The age ranges are close together just to ensure that we don't leave anybody out. We have the teachers, the school educators. Of course, the Young Instructors Leader Program is one that brings young people together as vanguards or ambassadors for our programs. We have the parents that act as the mentors at home. Of course, the parents are as important as the teachers because you need to take care of the home front. Then we have organizations, community leaders, the NGOs, and the big corporations. And here is the interaction framework, how everybody comes together. And this, you see how they interact. We have the parents and teachers acting as mentors. We have the teacher government introducing policies and reforms into the educational system. We have the governments and organizations being innovative about the new, So the problems. In rural context, what is being addressed?
we have the lack of electricity, lack of internet access, the mentalities. People are usually scared of the new things you are bringing into their communities. So what is the existing mentality around them? We have access to digital literacy, then we have mobility, access to these remote areas, then we have the interaction with local content. So I'll hand over to Urban to Obi to continue. Merci, je vais continuer en français. Les solutions pour parvenir à l'éducation dans le monde rural en Afrique doivent répondre à certains critères. Les critères de mobilité pour pouvoir faciliter le transport des équipements dans ces zones défavorisées pour apporter l'éducation. Ces équipements-là seront des équipements technologiques qui auront l'autonomie grâce à une source d'énergie solaire pour pouvoir animer des ateliers sur de longues périodes. Permettre également à ce que ces kits-là soient adaptés au contexte culturel de la population qui accueille ces solutions numériques. Et aussi, il faut dire qu'au niveau de ces solutions numériques, il est utile de pouvoir passer par des solutions africaines qui existent déjà sur le continent. Aujourd'hui, les Fab Labs ou les tiers lieux ou les espaces d'innovation sur le continent font un boom. Donc, ils peuvent accompagner ou bien mettre en œuvre ce type de solutions pour ces zones rurales qui sont défavorisées et puis loin de nos territoires. Donc, il y a des modèles qui existent, comme je le disais. À travers ces modèles, nous allons nous inspirer de ces modèles pour pouvoir les adapter sur. Nous allons nous inspirer de cela pour pouvoir adapter ces solutions à différents contextes culturels pour favoriser l'accès à l'éducation de proximité dans ces zones défavorisées. Donc, cela fonctionnera sous forme de kits avec plusieurs outils à l'intérieur, des sources d'énergie solaire pour rendre autonomes ces engins, utiliser des véhicules pour pouvoir interagir avec les différentes zones d'intervention là où se trouvent ces zones défavorisées. Faire en sorte que on ne puisse pas avoir besoin d'Internet pour pouvoir utiliser ces solutions. Donc, utiliser des micro-composants électroniques capables de stocker plusieurs contenus éducatifs pour pouvoir permettre à ces enfants de ces zones défavorisées facilement d'étudier. Et aussi prendre en compte le caractère ludique du kit à mettre en œuvre. Le caractère ludique va permettre à l'enfant de pouvoir étudier tout en s'amusant, sans toutefois être contraint à tout ce qui est tout ce qui pourrait contremettre à sa formation. Donc, nous avons par exemple un modèle qui est un kit complet là où se trouvent pas mal d'outils numériques à l'intérieur qui vont permettre de pouvoir faciliter le transport des équipements avec du contenu éducatif local pour pouvoir parvenir à la diffusion de ces formations dans ces zones défavorisées. Is not possible. Okay. Vous pouvez jouer la vidéo, s'il vous plaît. Ben, ça passe pas. Ok. Donc, c'est ce que je viens de présenter, par exemple, c'est une solution qui existe. Il existe également des solutions au niveau du Kenya qui se développe, où des kits sont transportés pour pouvoir apporter l'éducation dans les zones défavorisées. Voilà, ça c'est un kit mobile qui contient des tablettes avec des contenus éducatifs pour pouvoir transporter et parvenir dans ces zones défavorisées. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, quels pourraient être les acteurs de ces différents écosystèmes pour pouvoir parvenir à résoudre ce problème d'accès à l'éducation numérique dans les zones défavorisées en Afrique? Donc, je vais laisser la place à ma collègue. Okay. So, this is where we ask you the question, where do you belong to? Transformation, adaptation, or creativity? We stay with creativity and adaptation and transformation. We need all parts of this to make our world go round, from urban and introducing technology into the rural communities. Thank you.